C'est dans la Bible, ce n'est pas Pharaon qui l'a écrit. Ce n'est pas un grec qui l'a écrit. Si le grec avait écrit à Romain, il aurait effacé ça. Vous allez voir. Moïse a épousé une femme éthiopienne. Il a vécu avec ce beau-père qui n'avait que des femmes. Mais plus tard, par la présence de Moïse, Dieu a visité son beau-père qui a eu au moins un seul garçon. Et ce seul garçon, plus tard, quand Moïse allait à la terre promise, c'est ce garçon-là qui restait avec Moïse. Et la descendante de ce garçon s'appelle les Kéniens. Vous allez voir quand Moïse va quitter pour le conduire chez Moïse. Et son beau-père, on dit qu'il était prêtre, c'est-à-dire qu'il adorait Dieu. Le Dieu Tout-Puissant. Et il a fait un rituel de sacrifice. Et il a invité tous les Hébreux. Et ils ont participé, ils ont mangé, ils ont pacifié. Il a prié pour eux. Parfois on dit, c'est un Madian. Même les théologiens, les pères, non, lui n'est pas éthiopien, il est Madian. Donc la deuxième, la femme de Moïse, là, qui est éthiopienne, là, je ne sais pas, ça pas vu, ils vont le faire. Et pourtant la Bible dit, et c'est ce beau-père qui a donné la structure administrative à Moïse pour dire, organise-toi comme ça, comme ça, comme ça, ta mission que Dieu t'a donnée, tu peux réussir. Si tu ne le fais pas, tu risques de ne pas réussir ta mission. Et Moïse a mis cette administration sur pied et il a réussi. Et son beau-père est parti. Tenez-vous bien, le nom de Jéthro, le beau-père de Moïse, a occupé tout un chapitre dans la Bible grecque. C'est dans nos Bibles, ça n'existe pas. Ça, chapitre Jéthro. Ça dit, il est. Écoutez, quand on met le combat et les amalgames, il a dit qu'il faut quitter au milieu d'eux. Parce que vous, on n'a pas affaire. Souvent, les gens se limitent à la reine de Séba. Non, il y a plus que ça. Vous connaissez David? Le roi David. Le père de Salomon. Dans un conseil d'administration du royaume, le ministre de l'information a un rôle. Parce que si tu ne maîtrises pas l'information de ton pays, tu es foutu. Donc le directeur, l'un des directeurs d'information de David, c'est un Éthiopien. Couché. Le jour où le fils que David aime a été tué au combat. Couchi allait donner l'information